Dis-lui que m'appeler. Dis-lui toi-même. Je ne vous avais pas reconnu sans votre costume, John. C'est mon jour de repos aujourd'hui. Si vous voulez qu'on parle, prenez rendez-vous. Tu préfères que je t'appelle Brandon? Un type vous coûte 30 millions, vous renseignez sur lui. Et maintenant, je connais pas seulement ton nom. Je sais où tu vis, d'où tu viens, où habite ta famille. Dis donc, ta mère, c'est une jolie femme. Je reviens de Las Vegas. Elle m'a donné 3 blackjack d'affilée, les plutôt généreuses. Reste là. Où il est passé le p***** qui est venu chez moi, John l'arrogant? Où il est passé, John? Si vous avez pas mes pronostics, avec qu'à embaucher un autre mec. Debout, lâche-moi. C'est bon. Je suis venu pour que tu me fasses des excuses, c'est tout. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu regrettes. Seulement, dis-le-moi de manière à ce que je te crois. Dis-le-moi. Je regrette. Tu te fous de ma... Je vais pas accepter ça. Je peux pas recommencer encore une fois. Je regrette. Allez. Je regrette. Crois pas une seconde. J'y crois pas une seconde. C'est pas la bonne méthode, ça, c'est pas la bonne méthode. Bordel, et bah, si ça marche pas comme ça, on va faire autrement. Non, 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 non. Amène-toi. Non, non. Ça veut dire quoi, ça? Non, 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 non. Ça veut dire quoi? Je regrette. Oh, un petit effort. Je regrette. Allez, Brandon. D'accord. Alors? Je regrette. Arrête, tu vas pas me faire croire que tu as peur de mourir, hein? Monsieur Nguyen, c'était un week-end pourri. C'était ça? Un week-end pourri? Oui. Raison de plus pour s'amuser. Bouge pas. Oh, ça va être bon. Ah, oui. Ah, bouge pas. Là, c'est bien. Walter. J'ai pas le temps. Voilà, je crois que tu devrais me laisser démarrer ce soir. Je te jure, ce que j'ai là, c'est du costaud. Jerry, reste dans ton trou. Tu y es très bien. Tu te fous de moi, j'ai fait 8 sur 12 ce week-end. C'est la grande forme, je le sens. Ok, t'as fait un bon week-end, mais surtout, t'emballe pas. Un bon week-end, tu te... Quoi, le système Sykes a révolutionné ce business. Ça compte pour rien. Elle est où, ma pub à moi? J'ai... Tire-toi. Quoi? T'es viré. Casse-toi. Tu vas pas me virer. Si, tu t'as dégages. Besoin de moi encore plus qu'avant. Dégage, petit poiré de parasite de mes deux. En 6 ans de boulot, mon pire week-end n'a jamais été aussi pourri que les 3 dernières c'est semaines non, 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 de non, ce mec. C'est fini, t'as pas entendu. Tu travailles plus pour moi. C'est terminé. À quoi est-ce que tu joues, Walter? Oh, est-ce qu'on me comprend pas quand je parle? Est-ce que j'arrive pas à communiquer? Ou est-ce que je projette pas assez? Il a pas l'air de comprendre, vous avez tout suivi pourtant. Je t'ai viré, du con! Walter, c'est moi, Jerry, le mec sur qui tu peux compter. Moi, au moins, je suis constant, et tu le sais, les autres types, on les... Ils vont, ils viennent, moi, je suis toujours ah, là. Non, c'est pas vrai, pas pour lui. Ça, c'est du vrai talent. T'entends? Si t'es pas de voir, je peux rien faire pour toi, et c'est pour ça que t'es viré. Réfléchis, réfléchis bien à ce que tu fais. Tu serais pas f***u de te torcher sans ton ordinateur. T'es un minus, Jerry. T'es pas plus grand que ça. T'es devenu cinglé. J'arrive pas à la cheville. Maintenant, montre-nous que t'as un tant soit peu de fierté et barre-toi.